Comme pour les exercices précédents, attention à l'orientation de votre poignet qui doit être le plus possible tourné vers la gauche, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, pour diminuer la force de serrage au niveau de la base de l'index, donc avec un point de contact plus proche de vous. Cela vous permettra également plus tard d'avoir les doigts plus proches des cordes, avec les premières phalanges qui ne se touchent pas, donc plus d'indépendance des doigts. On cale la justesse du premier doigt sur la corde de la, donc avec l'accordeur, et on le pose à la même hauteur sur la touche, par imitation sur la corde de mi. Maintenant du premier doigt sur la corde de Ré et on le pose à la même hauteur sur la touche par imitation sur la corde de Sol.